Le dimanche, c'est fatigant, bon sang. Y a rien de bon le dimanche. Ouf. Ah, vrai de Dieu. C'est bon. Naomi? Naomi, oh. Oui, maman. Viens. J'arrive, maman. Ça, c'est les enfants d'aujourd'hui. On appelle un enfant, elle dit carrément, j'arrive, maman. À notre époque, mamie pouvait t'appeler. Tu dis, j'arrive. Maman. Franchement, hein, tu me fais quelque chose. Je vais te dire quelque chose. À notre époque, quand ma mère m'appelle, je me prénomme comme quoi? Pour rien, non, maman, mamie tombe pour rien. Tout ça, c'est toi, non, maman. Quand ma mère disait, oh, avant de dire rien, je t'ai dit là. Tu es dans la chambre, tu t'appelles carrément, tu dis, j'arrive, maman. Tu as tu le fais quoi dans la chambre? Maman, c'est juste que j'avais un appel. Appel. Et quand tu m'as appelé, j'ai sursauté, maman. Sursauté. Et j'ai répondu à la même minute, maman. Bon, je voudrais juste te poser une question. Ne prends pas ça aussi mal. Je suis ta mère. Et je veux savoir certaines choses qui est très normal pour une maman avec son enfant. Que ce soit son enfant garçon ou pas. Tu comprends? Te voilà déjà grande, très grande. Je sais que oui, la vie a un peu changé. Mais tu m'as jamais présenté un petit ami. Moi, j'ai besoin de voir mes petits-enfants en dessous de la télécommande. Je bavarde ici. Oh, pourquoi tu as touché ceci? J'ai envie. J'ai envie. Tu m'as jamais présenté ton ami. Que ce soit ton petit ami, que ce soit, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi? C'est pour ça que je t'appelle. Et hey, maman, tu m'embarrasses avec cette question. Ah bon? Bon, d'accord. Donc tu trouves que je t'embarrasse? C'est pas normal ce que je parle? Hein? C'est normal, maman. Et pourquoi tu mets le mot embarrasse? Oh, en français, mamie? Maman, c'est pas ça. C'est vrai, j'ai un petit ami dans ma vie. Mais je ne savais pas comment te l'annoncer ou comment te le présenter, vu que j'avais peur de ta réaction. Quelle réaction? Ce n'est pas normal que tu aies un petit ami ou tu aies un fiancé, ce n'est pas normal. Quelle réaction? Mais il faut l'inviter ici. Maman, lui-même d'abord, il voulait même te voir. Il tenait même à te rencontrer. Tu as vu, non? Et c'est toi qui freines. Tu le freines pourquoi? Maman, j'avais peur. Peur de quoi? Je mange les gens. C'est pas ça, maman. Tu sais, habituellement dans la vie, c'est un truc courant. L'enfant parfois a trop peur de présenter un copain à son parent. Vu que tu vas dire que non, voilà, peut-être elle est dans la vie de débauche, peut-être ceci, peut-être cela. On a toujours peur de ça, maman. Ça arrive. Ça arrive, maman. Il faut l'inviter ici. Tu as compris? J'ai compris, maman. Oui, il faut toujours l'inviter ici. Qui vient, je le vois, c'est normal de savoir que soit mon fils, soit ma fille a un petit ami, une petite. C'est normal. C'est très normal même. D'accord, maman. Ok. J'avais même peur pour rien. Vas-y à tes occupations. Ah, d'accord, maman. Elle a peur de moi, c'est quoi? Ma fou maman me disait que si un garçon à un certain âge,
tu ne le vois pas rouler avec une fille, pose-toi beaucoup de questions. C'est gravé dans ma mémoire ici. C'est la même chose que je veux faire avec mes enfants. Une fille déjà grande comme ça, elle n'a pas d'amis, elle... Merde. Je vais me poser des questions. Je ne sais pas si elle part avec les filles, ou c'est comment, ou elle esquive seulement les garçons. Il faut savoir. C'est normal pour moi, le parent, de connaître que ma fille a un ami. C'est des choses que certains parents n'aiment même pas causer avec les enfants. Moi, je cause tout avec mes enfants. Il faut que ton ami vienne ici. J'ai besoin de le voir. Mais pourquoi il fait chaud comme ça? Et Néo aussi. Ah! On va pas vivre, franchement. Allô? Je dis, tu te prends pour qui pour me raccrocher au nez? C'est que tu te prends pour qui pour me raccrocher au nez? Ah bon, hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Moi-même, je ne suis plus disposé à continuer cette conversation. Oui, c'est mieux. Et je ne suis plus disposé à continuer cette conversation, c'est mieux. N'importe quoi. Merde. La fille a le cœur. Elle me raccroche au nez, moi. Bravo. Elle connaît combien de filles rêvent, voient, c'est mon téléphone sonner. Elle connaît combien de filles? Moi, une fille, une chaîne comme ça. Ah, ok. Oh, exact. Il y a quoi que tu te mets à parler seul en route? Tu peux pas y aller seul en route, man. Ce n'est pas cette villageoise de filles qui me sert de copine là. Mais je dis que, man, qu'est-ce que tu te mets tant en colère pour que tu te mets à parler seul dans la rue comme ça? C'est pas ma villageoise, une villageoise, une copine. Vraiment, hein. Non, non, bravo. Tu n'as pas l'appelé villageoise. Galès, Galès. Mais tu respectes ta copine quand même. Galès, elle dérange. Elle dérange. Esgas, figure-toi que. Elle m'appelle matin, elle m'appelle soir, elle m'appelle midi, en soirée. Oh, viens, on va voir mon père. Mon père fait ci, ma mère fait ça. Viens, il faut que tu viennes voir mes parents. C'est quoi comme ça? C'est quoi ça, gars? Attends. C'est quoi ça? Le problème, c'est quoi? Il y a quoi? Parce que jusqu'ici, à présent, je comprends pas le problème. Mais tu veux pas te présenter à ses parents? Comme je ne veux pas me présenter, je suis ses parents. Attends, que qui? Que elle et moi, on a quoi ensemble? On a mis quel point sur les i? Quand on commençait cette relation, il n'y avait aucun projet. Il n'y avait rien entre nous que j'ai que non, c'est mariage, c'est d'abord entre nous, après on va voir comment. Quand on n'a rien fixé, gars. Quand elle le voit, c'est moi, on se voit, c'est un tapé parti. J'espère que c'est au moins ce que vous n'avez aucun avenir ensemble, bravo. Exact, ne me posez pas les questions des enfants, gars. Donc, elle-même, elle ne voit pas, elle n'observe pas. Ah, Seigneur. Ah oh mon Dieu, le monde c'est bizarre. Pendant que moi je me plains que Manga veut me présenter à ses parents. Toi-même, ta go veut te présenter à ses parents, toi tu refuses, man. Esras, apparemment tu veux te marier. C'est quelque chose de bizarre ça. Donc le fait que je veux voir les parents de Mago, ça veut dire que je veux me marier. Bon là, dans tous les cas, si tu te maries, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'à ton mariage, il y aura les gros comme moi, je vais venir encore te draguer. Je peux avoir même la chance de tomber sur une gare comme je pourrais me marier vraiment. Et la nourriture, il y aura la nourriture, on va manger, on va boire. Parce que je peux même là-bas me trouver même la femme même de ma vie. C'est cela vraiment, je ne sais même plus par où commencer. T'es dit là? Toi, ouais, je te jure. Attends un instant, c'est ma copine qui m'appelle. D'accord. Oui, allô? Ça va. J'espère que c'est important. Ok, on se prend là-bas tout à l'heure. Apparemment, c'est l'une de tes copines. Parce que je sens dans ta conversation une colère un peu. Un genre. Après, je vais go. On va seulement se capter. Ok, bon. Ah, vous les femmes, c'est même, ou bien elles font quoi? Oh? Quand tu es célibataire, on dit, oh, tu es un célibataire. Oh, machin, tu fais même l'effort d'être en relation, c'est le problème. Tu dors, même le petit angle même que tu as, tu dis que bébé prend même, et c'est pas comme ça. Un moment même, mais c'est mieux que quelqu'un cherche d'abord son argent, et conçu avant même de se marier. Parce que tu dis que non, tu vas avoir un gars avec qui tu vas grandir.
Dis donc, c'est 0/10. Moi, non. Mais t'as chacun resté dans son angle. Oui, oui. C'est mieux. Dis-moi, désolé. Si j'ai un peu tardé, je suis en train de travailler à la maison. Tu as dit que tu voulais me parler. Oui, effectivement. En fait, je suis prêt à me marier. Waouh! C'est une très bonne nouvelle, ça. Dis-moi, qui est l'heureuse de lui? Je suis venu te demander de m'épouser, si tu le veux bien. Je pense que tu es en train de blaguer. Non. C'est amusant. Non. Non. Je suis très sérieux. J'étais toujours aimé. Et je me suis dit que le jour que je me sentirais prêt, je viendrai te prendre. Et là, je viens de réaliser mon rêve. Je suis venu enfin que nous planifions les choses. Comment notre mariage va se passer? Qui seront nos invités? Où est-ce que notre mariage aura lieu? Et qui va le présenter? Mais c'est comme si je suis en train de regarder une comédie à la télé. Car ça ne se passe pas comme ça. Moi, je pense que tu dois d'abord rencontrer une femme, la draguer, la séduire, entretenir même une relation avec elle avant de voir si vous allez parler de mariage. Béloumé, réveille-toi. Non, non, non. Vraiment, je suis... je te remercie pour cette considération que tu as à ma personne. Mais je ne peux pas te marier. En fait, je ne peux pas me marier avec toi. S'il te plaît seulement, je veux que tu sois la femme de ma vie. S'il te plaît sur le tas, je veux te rendre heureuse. C'est toi la femme de ma vie. Hey, Seigneur, je te donnerai tout ce que tu veux. Oh, Belere Berniam. Marara Kopiam. Tu ne peux pas comprendre l'amour que je ressens pour toi. Pourquoi tu fais ça? Je t'aime. Je veux continuer toujours à t'aimer. Je ne peux pas m'arrêter. Je veux toujours te chercher. Je veux sauf que t'épouser. Eh, hey, mon cœur. Mon amour, mon bébé, ça va revenir. Ma princesse, sa vie, je te love, Minima. Bad. Une journée sans cœur, c'est comme une journée en enfer. C'est que le cas pour là. Eh, hey, faut que je go dans mon job, ça. Oh, oh, oh! Là, tu m'as fait peur, mon frère. Arrête ça, c'est quoi ça? Ah, ça va, Rando. Ouais, ça va. Eh, hey, attends là, mon frère. Comment tu es pressé, tu go? Tu tombes très mal à Blanche, s'il te plaît. Je suis attendu très, quelque part là de tout genre ensuite. S'il te plaît. Mais attends que tu es juste même là, mon frère. Tu bouges quoi? Il va pas payer, il va pas te prendre trop de temps. C'est okay. Juste quelques minutes. Sois bref, s'il te plaît. Je suis très, très pressé. Père, depuis que je te fais là dans le code, si tu as que voyager, père. Voyager comment? Je suis là, non? Comment tu dis qu'il y a voyager? Non, ben ça, depuis, si on est dans le quartier, même dans la nuit, on ne te voit pas. C'est inquiétant. Non, mais vois comment? Quand tu passes ton temps, c'est tout. Non, c'est que entre-temps, hein, Joe. Tu veux dire que depuis là, tu ne vois pas mes gestes, père. Comment tu dois comme un enfant comme ça, non, Joe? Tu sais que tu veux plaire à bord d'un ciel moderne, déjà. Et vous, comment t'as avec toi, non, père? Tu sais quoi? Voilà pourquoi je t'ai dit que j'ai attendu de tout genre sur quelque part, tu vois. Parce que là, je vois que c'est un truc qui va vraiment mettre long. On va reparler ça
plus tard, s'il te plaît. Tu comprends. Bonne journée. Moi, chien, tu dragues, mais tu n'as même pas fait. Ouais, elle m'a pas là, même deux filons. Maintenant, je sais que. Faut quand même les herbes, sinon, on peut tout faire. Je vais fumer ça tout à l'heure. Ok, je suis là. Quelle froideur! Écoute, si tu n'es pas engagé dans ces relations, ça ne vaut plus la peine de continuer ensemble. Je n'en peux plus et je ne veux plus. Dis, s'il y a présence. On a encore des pergones au pétanque. C'est ce qui se passe. Et pourquoi tu dis ça? Perdre quel temps? Comment tu peux dire qu'on est en train de perdre le temps? Ne te cache pas. Quand je suis en train d'admirer cette flèche. Hé, hey, c'est quoi? Tu m'as appelé pourquoi? Je voulais te dire que ma mère veut te voir. Elle est d'accord de te rencontrer. Hein? Ma mère est d'accord de te rencontrer. C'est vrai. Oh non, je te jure. Elle est d'accord. Il fallait commencer par ça au téléphone, hein, chérie. Tu viens me dire ça comme ça. Il n'a pas te dit. Tu touches un mauvais mot là. Wow. Il voulait te faire la surprise, non? Il voulait te faire la surprise. C'est vrai, vrai. Hey, Seigneur. Maintenant, alors, c'est sympa. Où je vais mettre quelques coiffures, oh. Et m'habiller comment, oh. Reste naturel. Non, parce que je dois te présenter de ma belle, à mes beaux-parents. Donc... Non, c'est pas un souci, reste naturel, il y a quoi? Oh, toi aussi, oh, arrête ça, quand même. Ça va comme ça? Oui, ça va. Seigneur. Mes chéris, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Je sais que tu fais tout ce que tu veux, non, bébé? Aïe, dis-moi, c'est quoi? Mais je voudrais que tu fasses croire à maman. Que tu es du sang. Pourquoi? Mais chérie, c'est pour notre bien. Comment tu peux me faire venir ma tribu? Je peux pas faire cela, maman. Hey, du sang, tu es. C'est pas ça. Regarde. Je pourrais plus t'accepter facilement. Quoi? Donc tu veux dire que ta mère fait le tribalisme? J'ai pas dit ça. Écoute, tu sais, je peux faire tout pour toi. Mais de là à aller jusqu'à régner mon origine, ça, je peux pas. Hey. S'il te plaît, chérie, fais-le pour moi, s'il te plaît. Je veux qu'on doit être ensemble. Moi-même, mais là, c'est trop. C'est un peu comme si je régnais mes parents. Hey. Mmh. S'il te plaît. Au même moment, tu vas réfléchir. S'il te plaît. Bon, ok, d'accord. C'est bon. J'ai compris. Merci, chérie. Merci, mon bébé. Merci. Je suis très contente. Enfin, tu vas voir ma maman. Hein? Tu es content? Tu es cher? Enfant, t'as ça? Ok, bon. Je vais aller de ce côté. Ok? Ok? Régner ma tribu. Ça jamais.